Bonjour les amis, bienvenue pour le mois du macabre. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour le mois du macabre, hein, vous l'aurez compris, avec la question numéro 20. Voilà. Best ending in a horror film. Je regardais scène de ménage, voilà, comme vous pouvez le voir. Et je me suis rappelé que je devais tourner le mois du macabre. Je viens de finir de manger. Donc, best ending in a horror film, comme je vous ai dit, je pense que j'ai un truc en tête. C'est Scream 4, la fin de Scream 4. Je pense que c'est ma préférée. On va faire un petit débat là-dessus. Pourquoi ? Parce que, déjà, je pense que c'est une fin qui est double. C'est-à-dire que on croit que la fin va se passer dans la maison chez Kirby à la fin. Mais finalement, non. La vraie, vraie fin se passe à l'hôpital. Sauf que, chez Kirby, quand on découvre les tueurs, je considère ça comme une fin parce qu'il y a quand même de l'action, il y a quand même la découverte des tueurs. Donc, ça fait juste qu'agrandir la fin, ce qui est parfait, ce que j'adore. Et en plus, je trouve que la mort du personnage est pas incroyable, mais originale. Oh, pardon. Parce qu'en général, on a le droit à retournement de situation, l'héroïne prend le pistolet, et puis bah non, finalement, notre personnage meurt électrocuté par l'électrochoc dans l'hôpital, ce qui est une bonne fin. Bon, après, elle se relève vite fait avec un bout de vitre, et elle meurt par une balle. Mais ça va, on peut dire que ce qu'il a vraiment achevé, c'est quand même l'électrochoc, et j'ai trouvé ça sympa, la fin à l'hôpital. C'était une vraie coriace. Le combat entre Sydney et Judy dans... Non, pas Judy, qu'est-ce que je raconte? Merde. Oh non, j'ai oublié son prénom, c'est mon film d'horreur préféré. Non. Comment... Jill. Oh. Là. C'est encore mes connards de voisins. Voilà. Et donc, du coup... Jill, voilà, c'est ce que je disais. Mais non, je sais plus ce que je disais. Jill, qu'est-ce que je disais? Oui, un beau combat entre Sydney et Jill, et je trouve que elle est quand même coriace pour une jeune adolescente, voilà. Alors après, je sais qu'il y a le dilemme, est-ce que Kirby est morte ou non? On doit quand même planter deux coups de couteau, même si, d'après ma critique de la dernière fois, Sydney aussi, on lui a planté deux coups de couteau encore plus gros. Alors, voilà, je pense qu'il y a des chances qu'elle soit vivante, mais dans ce cas-là, on nous en parlera à la fin. Enfin, je veux dire, ils l'ont pas laissée dans la maison comme ça, en décomposition. Donc, ouais, à voir pour un éventuel Scream 5. Voilà, en tout cas, je trouve qu'il y a tout ce qu'il faut dans cette fin. Et donc, la fin de Scream 4 est ma fin préférée de film d'horreur. Et donc, demain, on répondra à la question numéro 21. Qui est... Oh, ça va être super intéressant. Best film based of book. Meilleur film basé sur un bouquin. Ça c'est une bonne question. Vous savez encore... Allez, ton meilleur film de vampire, ça c'est du vu et revu, enfin c'est juste une question sur un genre de film. Alors que des genres de questions comme ça sur la fin et tout, c'est super. Et je crois qu'ils font ça jusqu'à la fin, donc vraiment top. En fait, je connais beaucoup de films d'horreur basés sur des bouquins, notamment grâce à Stephen King, hein, parce que j'en connais la plupart de films basés de son bouquin, basés de Stephen King. Le meilleur, bah on verra demain, j'en ai peut-être un en tête. Bon, on verra demain. Voilà, c'était Lucas et mes enculés de voisins. Ciao.